Salut la famille. Donc aujourd'hui j'ai décidé de aller au CP village pour aller faire un tour là-bas. Je vais arriver dans d'autres secteurs pour la première fois, voir comment ça changeait. Mais surtout, aidez-moi à laisser vos avis, aimer la vidéo, commenter. C'est grâce à vous que j'arrive à améliorer petit à petit. Donc, ensemble, allons à OCP, village. Aujourd'hui, je suis dans le village OCP, non loin de la mosquée. La mosquée, là-bas. Donc, je commence. Les balades. Le village. Tout ça là, c'est un coin pour s'asseoir. C'est le village OCP. Aujourd'hui, il y a du vent. Parfois, il y a du mal à faire la vidéo parce que quand je vois surtout les femmes marocaines, elles couvrent le visage pour ne pas que je les filme. Ça me met mal à l'aise. Mais bon. Les maisons sont en train d'être modifiées. Mais les toits restent les mêmes. Je ne sais pas aussi pourquoi ils ont appelé village. En tout cas, c'est joli. Côté toiture, les fleurs bien taillées. Les jardins, les gazons bien arrosés. Là, je suis devant une école.
La propreté. Pourquoi tu fais ça? Ah non, non, on n'a pas besoin de ça. Hein? Faut quoi? Et là, il s'amuse. On se connaît. C'est ce qu'il dit que cette façon de taquiner là, si vous ne connaissez pas, vous allez vous fâcher. Ça là, c'est l'humour. Un village calme. Ah. Si tu n'aimes pas le calme, tu n'habiteras pas ici. Si tu aimes le calme. Vous savez, c'est ici au Maroc, lorsque j'étais à Casablanca. Un jour, je ne me sentais pas bien. Je suis allé à l'hôpital. On m'a demandé, tu as quoi? J'ai dit, bon, ma tête me fait toujours mal. On m'a donné des médicaments gratuitement. J'ai dit, waouh! Mais chez nous, je pense pas qu'il y a un hôpital comme ça qui offre des choses gratuitement. Il me dit que mais le Maroc, c'est pas un pays de l'Europe parce que même j'ai connu beaucoup de personnes, de beaucoup de femmes qui ont accouché par césarienne dans cette ville. Même un dirham, elles n'ont pas payé. Un dirham ne pas payer. Mais chez nous, là, ça ne se fait pas comme ça. Voici un autre coin ici, un autre jardin. Un autre jardin du village. Pas là où j'étais la dernière fois là. Ici même, là, ça me surprend encore. Aujourd'hui, là, je vais bien faire le tour ici. Donc, un pays qui fait ça, oh, c'est Dieu. Va se rappeler toujours des bienfaits de cette nation. C'est pas que nous les Noirs on aime toujours les choses gratuites, hein. Mais bon, le Maroc fait de son mieux, surtout ici. Là, c'est le village au CP. Vous voyez, des belles maisons. Mais les toits restent les mêmes, hein. Ça, si on fait dans mon village, forcément les gens vont quitter à l'ouest, au nord, venir voir. Ah, le village se développe. Forcément, quand ils vont venir, ils vont trouver des gens là-bas, ils vont loger dans les hôtels, tout, 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 tout. Ça fait l'économie du pays. L'argent est fait pour travailler. Faisons ça aussi chez nous. Faisons ça à l'extérieur de la d'Abidjan, à l'extérieur d'Abidjan.
c'est la route qui va vers la fontaine, tout droit. Ici, c'est notre jardin. Un jardin. Regardez. Les herbes. Ça, c'est à 200 mètres, je pense, je crois. Le jardin de la fontaine. La transformation. C'est joli. Village OCP. Ensemble la beauté du désert. Quelqu'un a dit dans les années 90 il neigeait ici, hein? Malheureusement depuis que je suis né là, je n'ai jamais vu la neige. J'ai pas d'amis pour dire que un jour je vais aller pendant l'hiver, je vais aller à Ifra. Je rêve de voir la neige. Je suis dans un pays où il neige, mais je n'ai jamais vu la neige. Au niveau d'ici aussi. Il y a un autre jardin encore ici. Des jardins partout dans ce pays-là. Comme ils ont modifié tout ici. Ici jusqu'au bout là-bas. Il y a les jardins. C'est pas joli ça. C'est comme si ici on est en Europe là. Vous voyez, ça c'est les boîtes à poubelles, les deux qui sont là-bas là. Ça n'a jamais ça dans mon village.
Jamais ça dans mon village. Pourtant, ici, c'est le village. Hein. Mais je suis surpris de voir ce changement ici. Parce que ça fait longtemps que je ne suis pas arrivé sur ce côté-là. Voyez-vous-même. Là, ça amène la grande mosquée du village. Hein. C'est la mosquée. Ah, là-bas. Un changement pas possible ici. C'est au stade. C'est horrible. Tout droit. Un changement total à OCP. Wow. Ah, c'est le village. Hein. Changement partout, partout, partout. Je suis surpris. La mosquée. Ici, je suis au niveau de la piscine Coribga. Ça, pendant l'été, ici est rempli. Dis-moi, Maghreb. Je veux voir mon pays un jour comme ça. Je vais aller visiter au nord. L'ouest, l'est, partout en Côte d'Ivoire, c'est mon rêve de visiter. Quand j'étais enfant, à chaque moment mon père partait en ville, là c'était au village, je pleurais. Est-ce que vous savez que c'est en 2003 que moi j'ai connu la ville pour la première fois? J'ai vu le goudron. C'était à Poiflé, ma première ville en Côte d'Ivoire, en 2003. En ce moment, j'étais gamin, avec 14 ans là. Tout ça là, c'est le boulot fait par les Marocains eux-mêmes, les enfants du pays. Ça là, je veux que ça se passe aussi chez nous. Prenez l'argent, construisez le pays, les gens viendront visiter le pays. Regardez, ceux qui disent le désert là, c'est le gazon.
Chez nous, on dit trop pressé arrive tard. Quand j'étais petit, souvent il faisait des rêves. Il me voyait voyager. Et il dit à mes frères, me disait que cette ville de 25 km qui est proche de notre village, moi je ne connais pas. C'est jusqu'à dans les grands pays là que moi je rêve. Il se moquait de moi en ce moment-là. Vous-même admirez la propreté du Maroc au Ribga. Ce secteur-là, c'est ma première fois d'arriver ici. Mais je suis surpris de voir le développement. On n'a pas marché dans la boue. C'est pas formidable ça. Le savoir-faire marocain, le pont. À piéton, le pont à piéton. Je vais voir si, de ce côté-là, il y aura des commerçants ici. Parce que chez nous, en Afrique noire, ça serait un coin de commerçants, puisque les piétons passent ici. Là, comme ça, j'ai fini la vidéo de la journée que je rentre à la maison. Voilà. Le pont à piétons, le savoir-faire marocain. C'est là où j'étais hier. Malheureusement, il n'y a pas de commerçants ici, dans ce coin-là. Vous voyez la différence? La différence, c'est qu'il n'y a pas de commerçants dans ce lieu. Chez nous, en Afrique noire, vous verrez que les gens vont venir s'asseoir ici, vendre. Ça salit même le coin encore en plus.